Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire étude de code, ou bien la leçon c'est étude de code. On va faire les exercices du son 1. Alors, je dis j'écoute et j'écris. J'ai déjà préparé ici sur un cahier. Alors, étude de code. Je vais rappeler le son 1 s'écrit avec IN devant toutes les lettres, IM devant P et B, AIN. E-I-N et E-N. Et aujourd'hui, on va faire des exercices. Alors, je colorie en rouge les syllabes où j'entends le son 1. Je marque avec un point la place du son 1. Alors, regardez épingle, empreinte, timbre de fin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va découper les mots en syllabes. Épingle. Épingle, empreinte, timbre, dauphin. Alors, épingle, alors combien de syllabes on a trouvé? C'est trois. Empreinte, c'est trois aussi. Timbre, deux. Dauphin, c'est deux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, vous savez, vous avez l'habitude de faire ce travail en classe. Alors, on va colorier. Alors, écoutez, je colorie en rouge les syllabes où j'entends le son 1. Alors, épingle, où est le son? Ici. Alors, ici, la deuxième vague. Le son ici. Alors, je vais colorier la deuxième vague. Ici, la leçon. Empreinte, où est le son? Regardez. Alors, empreinte. Alors, le son ici, dans la deuxième vague. E-I-N, le son 1. Empreinte. Timbre. Regardez, parce que c'est B, hein, c'est écrit ici, E-I-M. Alors, où est la vague qui contient le son? C'est la première. Ici, le son. Voilà. De fin, où est la vague qui contient le son ici? C'est la deuxième. Vous avez-vous l'habitude de faire ce travail en classe? Voilà. Alors, la deuxième va. Qu'est-ce qu'on va faire après? Je marque avec. Regardez, je marque avec un point la place du son 1. Où est la vague? Alors, vous marquez déjà. Ici, la vague qui contient le son 1. La deuxième. Je marque avec un point la place du son E-I-N, le son 1. Timbre ici. Et de fin, c'est ici. I-N. L'exercice numéro 2. Alors, je découpe les mots en syllabes, je trace les vagues, je marque avec un point la place du son 1. Pimpronelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper les mots en syllabes. Alors, pimpronelle. Pin, pro, nez, les. 4. En, print, c'est 3. Prince, c'est 2. Copain, c'est 2. Magicien, c'est 3. Maintenant, c'est 3. Rien, une syllabe. Peintre, c'est 2. Imprimante, c'est 4. Coussin, c'est 2. Voilà. Alors, je découpe les mots en syllabes. On a fait, regardez, on a découpé les mots en syllabes. Je trace les vagues. On a tracé les vagues. Je marque avec un point la place du son 1. Alors, regardez, où est le son ici? Regardez, pimprenelle. Il y a P, hein? C'est P. Alors, devant P et B, toujours IM, le son 1. S'écrit IM, mais en prononce I-N, 1, le son 1. I-N est devant toutes les lettres, I-M devant P et B. Empreinte, regardez le son ici. E-I-N, le son 1. Prince, I-N devant toutes les lettres, la première vague. Copain, A-I-N, la deuxième. Magicien, regardez ici. Magicien, et voilà, I-E-N ici. Maintenant, ici la première, rien. Ici, la première, rien. Peintre.
Imprimante, la première vague devant PB et coussin C ici. Alors, l'exercice numéro 3. Je place les mots de l'exercice 2. L'exercice 2, regardez. L'exercice 2 dans le tableau. 1, 1 avec IM devant PB, AIN, EIN et ici EN. J'écris deux fois, mais c'est écrit. Regardez ici. Alors, prince, il y a le son 1. Regardez, prince, IN ici. Alors, coussin, regardez, IN. Alors, imprimante, IM. Et pimpronelle, IM aussi. Regardez, PEP. AIN, copain. Maintenant, regardez, AIN. EIN, rien. Peintre. Et EN, c'est magicien et empreinte. Et voilà les exercices. Alors, j'ai répété ici, c'est les mêmes mots. Alors, voilà les exercices. Alors, du son 1, étude de code, on a fait. Et voilà les exercices. Au revoir et à bientôt.